Good morgen, allez Iden, les yeux sur aujourd'hui, les lunishmat, mon livre Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que le Fat Avamori ben Reut, Betor Shach Ol Israël. Si vous souhaitez aussi l'idée d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Zvachim, Perek Yudalet, Mishnah Zain. Baou, Lenov, Ulgivon, Hutru, Abamot. Kodjagadashim Nechalim, Lifni Minaklaim, Kodashim Kalim, Bechol Are Israël. On continue le sujet des bamot, l'interdit de porter un korban dans un hôtel que l'on construit dans son domaine, chez soi, quoi, enfin, dans sa cour, dans sa cour de maison. La Torah a imposé d'apporter tous nos korbanot au Bet HaMikdash ou au Mishkan, lorsqu'il y avait le Mishkan. Le Mishkan, c'était la résidence provisoire de la Shrina, en fait, que nos ancêtres ont construit quand ils étaient dans le désert. Ensuite, ils ont traversé Israël. Et ce qu'on découvre maintenant, depuis maintenant quelques Mishnayot en arrière, depuis la Mishnah Delet en fait, alors on constate qu'il y a des fois où l'interdit est en vigueur, interdit d'offrir dans les bamot yachid, dans les hôtels personnels particuliers, obligation de les apporter au lieu public, au misbéar public, et des périodes où au contraire ça redevient permis. Jusqu'à maintenant, on a vu la période du désert, où c'était interdit parce qu'il y avait le Mishkan. Après, en entrant en Eretz Israël, et pendant 14 ans, lorsqu'ils étaient à Gilgal, 7 ans de conquête, 7 ans de construction, cette fois-ci, il n'y avait plus l'interdit des Bamot, on avait le droit d'offrir de nouveau, même s'il y avait un Mishkan. Après, on a vu dans le Mishnah Vav, l'interdiction du Mishkan Shiloh. À Shiloh, on a commencé à construire maintenant une maison un peu plus fixe au Mishkan, dans la mesure où il y avait là-bas un mur, les murs étaient en pierre, tandis qu'il y avait encore les teintures et les peaux des trachim et des izim et tout ça, qui recouvraient le toit de ce Echal. D'accord ? Ça c'était Shiloh. Le Mishkan Shiloh a duré 369 ans. Après ces 369 ans, il y a eu l'histoire avec laquelle démarre le livre de Shmuel, l'histoire avec Eli et ses enfants, Hophni et Pinchas, qui se sont mal comportés. Hachem a puni le Ham Israël. Les Plishtim sont venus faire une guerre contre l'homme Israël et leur ont pris le Aaron à Brit. Ils ont volé le Aaron, là où il y avait l'étape de la loi, d'accord, l'Arche Sainte. Et le Mishkan Shiloh a été détruit. Et maintenant, les Plishtim ont gardé pendant une certaine période, pendant quelques mois, ils ont gardé le Aaron chez eux. Ce Aaron, il leur faisait que des malheurs très graves, comme c'est bien raconté dans le livre de Shmuel. Et jusqu'à finalement, les Plishtim ont décidé de rendre le Aaron. En tout cas, pendant cette période, du coup, on a arrêté le Mishkan Shiloh. On a continué quand même à avoir un lieu de culte, si je peux dire. Un lieu où on faisait la Avodat Hashem, où là-bas on faisait les Korbanot. Donc c'était devenu le Mishkan de Nov. Et après quelques années, ça a été Givon. D'accord ? Deux périodes, on expliquera après un petit peu les faits historiques. Pour le moment, je préfère avancer maintenant le Mishnah. Donc on a eu deux Nov. Et une première fois Nov, et après quelques années après, il y a eu Givon. En tout, ça a duré 57 ans. Et pendant toute cette période, alors la Mishnah enseigne Baou le Nov ou le Givon. Quand le Mishkan est arrivé à Nov et à Givon, deux villes, où là-bas on a construit le Mishkan pendant une période de temps. Alors, Hutru à Bamot. Durant toute cette période, les Bamot sont devenues permises. C'est-à-dire que chacun était en droit d'offrir un korban de ses Olot, Nedavot, Nedarim, Nedavot, de les faire dans sa cour de maison en construisant là-bas un hôtel. Donc c'est ça, Hutru à Bamot. Et donc durant cette période, bien sûr, Kochikodashim, Nechalin, Elifinim et Minakelaim, bien sûr, celui qui voulait apporter un korban, Khatat ou Hacham, qui sont des Kochikodashim, il ne pouvait pas le faire chez lui. Il devait nécessairement partir au Bet Amikdash. D'accord ? Et au Mishkan, donc le Mishkan qui était à Nov, ou qui était à Givon, et là-bas, donc, les Kohanim devaient ensuite consommer les parts de viande qui leur reviennent à l'intérieur des Klaïm, dans l'enceinte du Mishkan. Tandis que Kodashim Kalim Bechol Are Israël. Tandis que le Kodashim Kalim, les autres korbanot que l'on pouvait faire chez soi, donc sur son hôtel, eux, ils pouvaient être consommés dans toutes les villes d'Israël. Ça veut dire en réalité, dans tout Israël. Ouais, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la Mishnah préfère le terme de Bechol Are Israël, dans toutes les villes d'Israël? Regardez, si vous regardez dans la Mishnah Dalet, là-bas, on avait parlé de Kol Machane, ou plutôt on avait parlé, en fait, dans la Mishnah Hei, que quand on était à Gilgal, alors on avait le droit de manger
Bechol Makom, dans tous les lieux. Pourquoi si tu insistes sur le mot Bechol Ave Israël, dans les villes d'Israël? Réponse très simple, en réalité, il en va de même si on veut construire un hôtel dans les airs, on pourra aussi le faire. Seulement concrètement, les gens, ils habitaient dans les villes. Alors pourquoi dans le Mishnah, on n'a pas parlé dans le Mishnah, hey, quand tu as dit Bechol Makom, tu n'as pas dit dans toutes les villes? Réponse très simple, pour le moment, la terre d'Israël n'était pas encore complètement conquise et partagée. De ce fait, c'était pas possible de parler de ville, ils habitaient pas encore dans les villes. Tandis que dans la Mishnah Zayin, on parle qu'ils sont dans des villes déjà, donc la Mishnah préfère le terme de Bechol Are Israël. D'accord ? Maintenant, autre précision qui n'a pas été dite, c'est que même le Maaser Sheni, on pourra le manger de partout. On revient à présent sur deux choses. La raison de cette halakha d'abord. Pourquoi pendant Nov et Giv'on, on avait le droit de manger dans tous les endroits? Alors ça, on l'a déjà expliqué hier. Le pasouk nous a dit dans Dvarim, dans Parashat Re, qu'il ovatem adata et la minucha ve la nachala. Le pasouk nous dit, vous savez, vous pourrez, lorsque vous arrivez en Israël, vous ne pourrez plus offrir vos korbanot comme ce qu'on le fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, ouais, chacun chez soi. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, alors ça vous l'est permis. Pourquoi? Parce que kilobatem adata ve la minucha. Vous n'êtes pas encore arrivé au lieu de repos et au lieu d'héritage. Voilà les mots utilisés par la Torah. On fait allusion en fait au Mishkan et au Betamikdash. Donc, le Mishkan, c'est le Mishkan Shiloh, qui était construit partiellement quand même en pierre. Donc, de ce fait, il était plus important, il devenait une résidence quand même plus fixe. De ce fait, lorsqu'il y avait le Mishkan Shiloh, on n'avait plus le droit de consommer en Israël, dans tout le reste du pays, juste à Shiloh, comme ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente. Mais pendant cette période intermédiaire, depuis le Mishkan Shiloh jusqu'à qu'on arrive ensuite au Bet Olamim, à la Nachala, l'héritage total de la terre d'Israël. Alors dans ce cas-là, pendant cette période intermédiaire, on avait le droit d'offrir un korban dans une Bamat Yachid. Ok ? Il nous reste maintenant à compléter juste les faits historiques. Alors ça rapporté de partout, vous le verrez dans le Barthénora, c'est encore plus détaillé dans le Tiferet Israël, où ça a duré concrètement 57 ans de l'histoire de Nov et de Giv'on. Plus précisément, il rapporte le détail, le Tiferet Israël, 13 ans à Nov, et après 44 ans à Giv'on. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nov d'abord? Vous avez sûrement entendu cette histoire, malheureusement, avec Shaoul qui était ensuite à la poursuite de David, et il est arrivé à Nov Ir HaKohanim, et puis il a compris que là-bas, que David était entré dans cette ville, c'était restauré, donc il a soupçonné tout le monde d'être traître, il a tué des traîtres, il a tué tout le monde, et le Mishkan a de nouveau été détruit jusqu'à qu'ensuite on le reconstruise à Giv'on, et là, à Giv'on, ça a duré pendant 44 ans, jusqu'à que Shlomo HaMelech a fini par construire ensuite le Beit HaMikdash. D'accord ? Durant cette période aussi, c'est important à préciser, le Aaron, l'arche, où se trouvait l'étape de la loi, alors n'était plus dans le Mishkan, ils étaient ailleurs, c'est précisé ici, c'était 20 ans à Kiryat Yarim, et 3 mois à Bebet Oved, et après 37 ans, hein, c'était resté à Ir David, d'accord ? Dans la résidence là-bas de David. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Koltou. Salam.